Bev. Love you, talk to you soon. Thank you, Bev. Bye bye. Hello, comment ça va les mecs? En forme? Je suis sur le set pour le make-up de mon film. Là, on fait une séquence bagarre dans les cuisines de la reine. C'est un film avec le concept, d'un concept comme le piège de cristal, mais sur la glace, tu vois. Ça, c'est mon make-up artiste, Zlatan. Et là, c'est mon... Mark? Yes. Are you here? He's my stunt guy, c'est mon double. And this guy in the middle is the guy I'm fighting with. He's doubling the big penguins. Donc, cet énorme pingouin en pluche, qui est donc la mascotte du club de hockey. Et dans la mascotte, c'est une femme qu'on va mettre. Et là, il se met du make-up sur la main parce que j'ai trempé sa main dans le combat. J'ai trempé sa main dans une friteuse, dans l'huile. Hein? Là, on peut expliquer aux enfants que la violence, elle a été créée avec du make-up. Enfin, je veux dire, des coups et tout ça, donc c'est pas réel. C'est faux. C'est du cinéma. Ok, I've got to go on the set. Thank you. C'est mon père. Nice to meet you. C'est mon père Eugène. Bonjour. Qui est un nom assez old fashioned. Oui, mais je suis vieux. Mon père a dit qu'on appelait les chevaux de Brasserie. Eugène. Non, les chevaux de Brasserie à Bruxelles. Eugène. Eugène. Je vais au trailer prendre ma veste parce qu'ils m'attendent tous là. Et puis alors, moi, c'est mon trailer. C'est le plus gros. Toujours le plus gros. Hein. Toujours avec le plus gros. Il est là-bas. Si vous vous trompez pas le trailer. Je prends la chemise. J'adore manger sous le set, donc j'ai un cuisinier qui me fait des plats super. Parce que si je n'ai pas à bouffer, moi, si je mange pas, je me sens très très mal. Hey. Alors là, c'est mon cuisinier. C'est my cook. His name is Jerry. Alors moi, je vais faire un arrêt de pipi, vous me foutez la paix, je reviens en 2 minutes. Je ne vais pas perdre mon accent français. Les gens, ils adorent. Mais seulement, quand même un peu perfectionner mon accent américain. We're ready. Ready. And action. Conception de la distance. Donc je sais quand je vais toucher, il faut que le corps épouse comme une vague. Il faut que le corps épouse la matière qu'on va toucher, que ce soit du métal ou du bois ou de la brique. Il faut accuser une certaine loi. This is Peter Hyams, the man who directed Time Cop and also 2010 Heartland. Big movies, my good friend Peter Hyams. We've been on a movie together, Sudden Death. That's Moshe Diamond, the man who's giving him headache and who likes to save money. C'est dur quand tu fais un film. Et ce que je fais, je me lève très tôt le matin, et puis je m'entraîne dans une salle. Ils m'ont aménagé une salle de culture physique dans ma chambre avec life cycle et treadmill, le tapis roulant, tout ça. Mais le plus important dans l'entraînement, c'est le repos. Comme les jours de tournage sont très très longs, des 15 heures par jour, de temps en temps. C'est quand même dur à prendre une certaine masse musculaire, mais je fais de mon mieux là. Hey! 29, Apple Z, thank you, A-Mark. B-Marker. Action!
bientôt Time Cop sortira sur les écrans donc en Europe. J'ai aussi fait donc Street Fighter, Sudden Death, un gros film avec beaucoup d'action, hélicoptère, hockey sur glace, tout ça. Et bientôt The Quest, le film que je vais donc réaliser en Europe, New York, Chine. It's a period piece, 1902, hein, film d'époque. Tout sera super. Je vous embrasse. Je m'excuse pour le make-up. Je m'excuse pour l'action. Il n'y avait pas assez d'action. On m'attend sur le set. Ciao. Un gros bisou à tout le monde. Bye bye. Okay. Yeah. Bye. 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 Bye.